À l'approche de Vienne, le géographe roule au pied des anciennes murailles du château fort de Sessuel, qui domine le Rhône. C'est une idée inoffensive matérialisée, une véritable frontière de guerre au Moyen-Âge, entre, donc, sur ma gauche, le Saint-Empire romain-germanique, et sur la droite, le Royaume de France, en fait, jusqu'à l'époque de Philippe le Bel. En France, finalement, peu de cours d'eau marquent autant une frontière et en même temps un couloir de communication aussi. Même si aujourd'hui, bien sûr, c'est l'idée peut-être de corridor, de couloir, qui est l'image la plus forte. Mais finalement, toutes les forteresses qu'on aperçoit là sont bien les mémoires, les survivances, en tout cas les héritages d'une frontière de guerre.